secondes de la ligne, 10 secondes de la ligne. Finish. Coupez la ligne, coupez la ligne. Ça y est, c'est fait. Franck Camas et ses hommes ont franchi la ligne d'arrivée à Ouessant, samedi 20 mars à 22h40. Le trophée Jules Verne appartient désormais à ces 10 hommes qui ont tourné autour du monde à plus de 18 nœuds de moyenne, battant de 2 jours, 8 heures et 35 minutes, le temps de référence établi par Orange 2 en 2005. La nuit de son arrivée, Groupama restera en mer au large de Ouessant, attendant le lever du jour pour entrer triomphalement dans la rade de Brest. Une joie immense, je crois qu'avoir mis autant d'énergie et de temps sur ce projet et arriver au bout, c'est super parce que c'est quand même le travail acharné d'une équipe, d'un partenaire également qui a jamais lâché le morceau et c'est super que ça se termine de cette façon. Heureusement que Orange avait perdu quelques journée dans l'hémisphère nord. Nous, l'hémisphère nord nous a bien réussi. L'Atlantique Sud, beaucoup moins, parce qu'on a dû perdre 3-4 jours, pas autant d'orange sur l'aller et le retour de l'Atlantique Sud. Par contre, dans le Sud et dans l'océan Indien et le Pacifique, finalement, on a gagné 17 heures, je crois, sur le parcours d'orange, qui était déjà exceptionnel, avec un bateau comme celui-là, qui était plutôt... plus petit, qui est plutôt plus petit et plus léger. On est vraiment content d'avoir fait un beau parcours autour de l'Antarctique et d'avoir gagné 17 heures sur le parcours d'Orange qui était déjà exceptionnel. Avec une météo idéale, on peut vraiment imaginer un temps en dessous de 45 jours sans souci, mais avec un bateau comme Groupama aussi. Voilà, mais c'est quand même la météo quand même qui dicte pas mal de choses. C'est un peu le jeu des records. Et parfois c'est frustrant quand on est du mauvais côté, qu'on n'est pas gâté, parfois c'est bien, mais c'est vrai que la météo dicte plus de choses que finalement la capacité pure du bateau. Les Brestois sont venus nombreux applaudir le maxi trimaran et de nombreuses personnalités dont Bruno Perron ont fait le déplacement pour saluer l'exploit. Je suis vraiment ravi et honoré d'avoir été battu par la meilleure équipe du monde aujourd'hui, tout simplement. Je pense que ça se passe de commentaires. Ils l'ont mérité, c'est jamais facile. J'ai suivi ça comme tout le monde avec beaucoup d'intérêt et le résultat est là. Et les débuts n'ont pas été faciles parce qu'il a fallu beaucoup de ténacité, d'engagement. Et je pense qu'on peut saluer le partenaire parce que je suis bien placé pour savoir que c'est assez rare de suivre une équipe comme ça avec les difficultés qu'ils ont eues. Non, je suis ravi. Puis ce qui est intéressant, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme à chaque fois, moi, c'est de regarder les yeux de ceux qui viennent d'un voyage aussi long. C'est pas une transat, quoi. Regardez. Ce sont tous des marins chevronnés, et à l'arrivée à Brest, après 48 jours de mer, chacun avait en tête des images et des moments magiques de leur navigation. Et il leur faudra sans doute plusieurs semaines pour revenir dans le monde des terriens. On a eu des grandes vitesses, hein. On était souvent à plus de 30 nœuds, à la barre, sous Génaker, la nuit, étoilée, c'est quand même des moments rares sur des tours du monde, donc du coup c'était très agréable et ça a été pas mal de plaisir quand même. Ouais. C'est vrai que les vagues du Pacifique c'est quand même extraordinaire et moi j'aime ça, d'aller vite dans ces vagues, on zigzague tel une descente de snowboard dans la poudre, quoi. Donc c'est ça qui est fabuleux, ça c'est la belle image qui me reste. Hein. Quand le bateau commence à apparaître, le jour sort, tu commences à voir le bateau, puis après tu commences à voir la mer qui apparaît. Là, tu commences à te relâcher un peu à la barre, là, ça c'est des grands moments. Ça faisait 3-4 jours qu'on était dans le sud, là, qu'on faisait de l'est, et j'ai cru voir un plongeur, enfin j'ai vu une tête dans l'eau, et en fait c'était un phoque. Et c'était génial parce que le phoque il était sur le dos, et il nous a regardé passer, mais...
Il y avait une espèce d'interrogation chez lui, forcément. Quoi. C'était un petit moment rigolo. 48 heures avant le Horn, là, ça a été magique. C'était grand, c'est le ciel bleu, 7-8 mètres de creux, des vagues incroyables. Et puis, des surfs. Voilà, ça a été grandiose.